Bonjour à tous, aujourd'hui je vous donne rendez-vous dans le Châtillonnais. On est à Massingy, en Côte d'Or. Massingy, c'est un village de 160 habitants, pas très loin de la région Champagne-Ardenne. Et pour découvrir ce village, j'ai rendez-vous avec Jérémy, c'est le maire de la commune. Bonjour Jérémy. Bonjour Sébastien. Bon, bah merci de nous accueillir. Bah écoutez, c'est avec plaisir qu'on vous accueille au-dessus du clos Notre-Dame, ici à Massingy. Oh, on est en altitude là. Hein. C'est vrai qu'on a une vue qui est magnifique, on domine toute la plaine. Alors j'ignorais complètement que Massingy, c'était une terre de vin. Alors c'est vrai qu'ici à Massingy, dans le nord du pays châtillonnais, on est un petit peu coincé entre la Champagne d'un côté et la Côte de Beaune de l'autre, mais on a aussi ici des vins d'exception, et en particulier le Crémant du Châtillonnais. Bon, bah, ce serait bien d'aller le visiter ce village. Allez, on y va, c'est parti. Allez, je vous suis. Vous paraissez plutôt jeune comme maire, vous avez quel âge ? J'ai 39 ans et donc je suis devenu maire de la commune, j'avais 27 ans en 2008. Et pourquoi maire si jeune alors ? On va dire que c'est mon village natal et que j'avais à cœur de prendre un petit peu de responsabilité dans la commune. Mais ici, vous voyez là, c'était à ma grand-mère, c'était donc les alambics, la distillerie. Et c'est vrai que j'ai plein de souvenirs enfants ici parce que dès le matin à 6h, donc il y avait la vapeur des fruits qui s'évaporaient, ça embaumait toute la commune. Et c'est vrai que c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Bon, et parmi les 160 habitants qui on pourrait rencontrer maintenant, je vous conseille d'aller voir Henri, qui est un habitant du village depuis toujours. Et je pense qu'il aura quelques anecdotes croustillantes à vous raconter sur la commune. C'est un gars du cru, quoi. C'est un gars de Massingy depuis toujours. Bonjour. Bonjour. Bon, on m'a dit que je trouverais Henri dans son champ. Voilà. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire ? Donc, je regardais l'évolution de mon engrain. Donc, c'est quoi l'engrain ? L'engrain, c'est une céréale qui sert à faire du pain pour les intolérants au gluten. Et donc, vous êtes dans le bio, alors ? Donc, je suis en bio et je suis au pied des jumeaux. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les jumeaux de Massingy, la légende des jumeaux. Pas du tout. Donc, les deux jumeaux, c'est deux buttes de terre qui se trouvent sur deux communes différentes, une sur Massingy, une sur Prudy. Et il y a une légende qui dit que Gargantua, qui passait par là, a secoué ses bottes. Ça a fait les deux jumeaux. Et puis, il a continué de marcher un petit peu, il a eu une envie pressante et ça a fait le lac de Marcenais. Ah, une grosse envie alors. Voilà, une grosse envie, mais c'est pas fini, il y en a une plus grosse qui a fait le Mont La Soie, voilà, qui se trouve derrière nous. Donc on est un peu aux toilettes du coup de Gargantua. Voilà, oui, ici. Entre son aire de repos et ses toilettes. Voilà. Bon, c'est difficile d'y croire quand même. Hein, C'est une légende. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour merci cette histoire. À vous. Bon, visiblement, Massingy, c'est aussi le village du Crémant. Ça tombe bien, il y a aussi un musée de la vigne ici. On va voir. Bonjour. Ah, bonjour. Bienvenue. Bon. Bah, merci. Alors, c'est quoi le jardin de Bacchus ? En fait, c'est un jardin avec les 13 régions viticoles de représenter sur une étape un petit peu culturelle comme ça. Et les gens viennent à la découverte ici de 120 cépages que l'on a en collection. Et là, je vous voyais en train de tailler. Là, on est sur quelle région alors ? Donc là, c'est l'Alsace. Là, on est sur du vin blanc alors. Voilà, vin blanc alsacien. C'est ça. Et puis, vous êtes arrivé donc par la Bourgogne qui est juste derrière nous. Alors là, on est en Corse. Et ici, on arrive dans le Bordelais. Et puis ici, maintenant. On est dans le Languedoc. Bah dis donc, il était rapide ce Tour de France. Hein. Alors là, je vous emmène dans la deuxième partie du jardin, un petit peu plus original. C'est un peu la maison des Hobbits. Ça ressemble, hein, une maison troglodyte. Et là, on va révéler tous les secrets du Crémant de Bourgogne. Derrière cette vitrine, on raconte une légende, la légende de la formation des bulles de Crémant de Bourgogne. Donc
on a différents personnages, on a Fébule, ses lutins, et puis les petites notes de musique, etc. On commençait de créer les bulles avec les lutins tout autour, jusqu'à l'arrivée donc, des bouteilles. Dans le gosier de Gargantua. Dans le gosier de Gargantua, ouais. Et sur son petit jumeau de Massingis. En tout cas, cet endroit, il est quand même merveilleux. On se croirait un peu à la fois au saloon et puis dans un conte. C'est ça, c'est le monde un petit peu d'Alice au Pays des Merveilles. Là, on ne court pas après le lapin blanc, on court après les bulles. Et voilà, c'est la féerie du Crémant de Bourgogne. Bon, et on ne pouvait pas quitter Massingis sans goûter au fameux Crémant de Bourgogne, avec modération, bien entendu. Merci beaucoup, Ghislain, de nous avoir accueillis dans votre domaine et puis dans votre musée. Merci à vous, on est très heureux de vous accueillir. Alors, santé. Santé. Et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.